Et salut à tous, c'est AxelCraftPE. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer son serveur sur Minecraft Pocket Edition 0.11.1. Donc, ça va être tout simple. Premièrement, vous allez avoir besoin de télécharger cette application. Et non celle-là, parce que ça, c'est l'ancienne version, mais ça, c'est la nouvelle, qui est lead.cc rooms version 2. Donc, après, quand ce sera fait, juste vous montrer comment, rapide. Alors, si vous êtes sur iOS, vous allez aller sur App Store, sur Android Play Store. À partir de là, ça va être les mêmes étapes pour iOS et Android. Donc, vous allez aller dans la barre de recherche. Vous allez écrire Git. Voilà. Il va y avoir Litrim V2. Donc, c'est lui. Quand vous allez le télécharger et l'ouvrir. Là, normalement, ça devrait vous amener comme sur une page comme ceci avec le nombre de crédits, ça, tout. Là, ce que vous allez faire pour ouvrir votre serveur, premièrement, vous allez appuyer sur statut. Normalement, ici, c'est rouge. Ça va vous dire de le mettre online. Donc, le mien est online. Là, ça va vous dire de vous register. Et ça vous donne l'IP de votre serveur. Donc, moi, c'est ça. Je le mettrai dans la description pour ceux qui voudront aller voir mon serveur. Donc, vous pouvez choisir le nom de votre serveur, le mode de jeu de défaut, la mode si vous la voulez standard ou plate. Vous pouvez mettre le spawn protection, whitelister, ça veut dire, exemple, rénover votre serveur, vous allez whitelister, puis vous allez faire une liste de players qui pourront joindre pour de la rénovation, c'est-à-dire n'importe qui pourra pas joindre. Ensuite, vous avez le nombre de slots, donc le nombre d'espaces pour le nombre de joueurs qui pourront rentrer sur votre serveur. Vous avez le PVP, vous pouvez l'activer ou le désactiver, AllUSD, c'est simple, User Login, ça je vous conseille de le mettre, comme ça, personne ne pourra essayer de tricher sur les comptes, par exemple... Je sais pas, moi, vous avez un owner. Là, quelqu'un réussit à avoir son pseudo, il met le même. Là, vous pensez que c'est lui l'owner. Vous le mettez owner parce que vous pensez qu'il a perdu son grade, il vous banne et après ça, vous pouvez plus retourner. Donc, ici, vous avez tous les plugins. Donc, vous voyez que j'en ai 5, il m'en reste 3 à acheter, tout ça. Vous avez les rollbacks, c'est-à-dire les backups. Pour exemple, vous avez un problème avec votre serveur. Ça va servir à le remettre dans l'état que vous voulez. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment ça marche, l'installation du serveur. Donc, ça, c'est mon serveur. Par exemple, je l'ai laissé comme ça ici. Non. Voilà, vous allez écrire ici le nom de votre serveur. Donc moi c'est LibertyCraft, non, comme ça, PE. L'adresse IP, donc moi c'est a4372.lit.cc. Puis le port, c'est la même affaire, 4372. Vous allez faire ajouter serveur. Là je l'ai facile parce que je l'ai déjà ici, je vais vous montrer. Et si c'est comme un monde normal, vous allez spawner en quelque part. Donc, ça, c'est pas mon spawn d'origine. Slash spawn. Il y a aussi les commandes là-dedans. Donc, le slash est fait pour vous donner des potions et tout. Qu'est-ce que ça fait là, ça? En tout cas, voilà, c'est ça. Donc, c'était mes courtes vidéos pour vous montrer comment créer son serveur sur Minecraft Pocket Edition 0.11.1. AxelCraftPE et on se revoit une prochaine fois. Allez, bye bye.